N'ayez raté pas ce moment, abîmé dans le Seigneur. Écoutez, j'aime cette chose. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de mon père spirituel. Il m'avait toujours dit, fils, Jean-Claude Mateta, tu dois faire tout dans ta vie afin que tu ne puisses pas rater le temps de Dieu, que tu ne puisses pas rater le moment de Dieu. Ce qui est prématuré n'est pas mangeable. Alléluia. Ce qui est prématuré, on ne peut pas l'utiliser. Alléluia. Ne parle pas avant le temps, tu seras prématuré. Ne parle pas avant le temps, tu seras prématuré. Et aussi, mon fils, fais aussi attention d'être vraiment attentif à l'écoute de Dieu. Parce que tu peux aussi louper ton temps et partir après le temps. Alors tu seras périmé. Alors ce qui est périmé, on ne mange pas ça. Alliac nous reprenaté. On explique le Jésus. Merci Seigneur. Acclame Dieu, on m'a compris. Acclame Dieu, tu as compris. Tu dois tout faire, mon frère, ma soeur, pour ne pas partir avant ni après. Tu te pars après, tu seras périmé. Tout ce qui est périmé n'est pas consommable. Tout ce qui est périmé, on ne peut pas l'utiliser. Si tu es périmé, on ne peut pas t'écouter. Ni personne ne pourra t'écouter. Alléluia. Écoutez, pourquoi nous devons prier aujourd'hui? Pourquoi tu dois prier aujourd'hui? Parce que Christ, lui, le pour, a été crucifié. Jésus-Christ était mort. Jésus-Christ a été éteint. Lui, la lumière était éteinte. La preuve en était, quand Christ est mort sur la croix de Golgotha, le monde à Dieu était dans le ténèbre. Comme pour dire qu'il n'y a plus de lumière. Celui qui est éclairé est mort. Celui qui est éclairé est parti. Alléluia. Et nous faisons nous sur la terre. Donc, depuis que Christ est mort, le monde est dans le ténèbre jusqu'aujourd'hui. Comme s'il y a eu 3 heures de ténèbres dans le monde tout entier, le monde dans les ténèbres. Et pendant ce temps, c'est la lune et les étoiles qui doivent régner. Et toi, tu es une étoile, tu dois régner, tu dois prier, parce que tu as reçu la sémence de la part du Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, le prince glorieux. Merci Seigneur. Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous puissions encore nous retrouver. Cet après-midi en ce lieu. Si nous sommes là, je ne cesserai de le dire que ce n'est que la grâce de Dieu. Ni que t'es sa grâce, nous ne serons pas là. Alléluia. Nous bénissons son nom. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Merci pour votre présence. Merci pour tout ce que le Seigneur Dieu ne cesse d'accomplir encore parmi vous. Nous sommes encore, et c'est notre dernier jour de prière par rapport à ce programme que nous avons commencé. Depuis le 3, et nous sommes aujourd'hui le 23 pour pouvoir finir ce temps de jeûne et prière. Nous l'avons intitulé Lève-toi et prie. C'était 21 jours de louange et d'action de grâce en l'honneur de notre Dieu en ce jour de fin de l'année. Quel beau thème qui nous a été donné. Lève-toi et prie. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Qui a été inspiré et nous pouvons donner encore cette pensée pour que nous puissions partager. On a commencé déjà avec ce thème, mais nous allons continuer aujourd'hui, nous allons finir par la grâce de Dieu. Le thème que nous a donné, c'est « Lève-toi et marche ». Bien-aimé dans le Seigneur, au fur et à mesure qu'on avançait dans la prière, avec l'homme de Dieu, l'Éternel nous a mis dans la profondeur, dans la méditation, et nous avons fini par comprendre que oui, c'était vraiment une suite logique que Dieu nous a apportée par rapport à ce que nous avons apporté précédemment. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous avons parlé ici du haut de cette chair, par rapport à ce que nous devons faire très attention à ne pas rater le temps de Dieu. Et le Seigneur, par son serviteur, le pasteur Mathias, est venu encore nous rappeler de ne pas louper le temps, kairos, le moment de Dieu, le temps convenable. Homme de Dieu, sois béni. Merci Seigneur de grâce. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de bonté. Dieu nous aime tant. Dieu nous aime beaucoup. Nous avons parlé ici du haut de la chair. À ne pas être distrait. À ne pas louper le temps de Dieu. Et l'homme de Dieu est venu après nous parler de temps kairos, le temps convenable, le temps où le Seigneur Dieu agit. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très très attention à ne pas rater le temps de Dieu, le moment où le temps de Dieu est en train de se manifester. Alléluia!
C'est comme dans les piscines de Bethesda. Il y a une chose qui est cachée là-dedans que nous ne comprenons pas souvent. On dit que non, quand l'ange se voulait l'eau, la première personne qui descendait était guérie. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En vérité, c'est quoi? C'est quand, au moment Kairos, quand Dieu bouge l'eau, c'est lui qui s'est jeté pour être guéri. Même s'ils étaient à 10, s'ils s'est jeté au moment où le Seigneur Dieu était en jeu, ils pouvaient tous trouver la guérison. Alléluia. Bête de la Trinité, comprenez le temps que nous sommes en train de traverser. Alléluia. Comprenez ce temps que nous sommes en train de traverser. Nous sommes en train de passer des moments magnifiques, des moments extraordinaires. Mais ne rate jamais le temps de Dieu dans ta vie. Ne rate jamais l'opportunité que l'éternel Dieu peut t'accorder. Pour cela, tu dois éviter la distraction. Tu en as compris dans la semaine? Il y a un moment où le Seigneur m'avait tiré vraiment à côté, il m'a dit, fils, faites attention à la distraction. Le diable, tous les moyens qu'il trouve pour te distraire est bon. S'il peut te distraire par la télé, il te distrait bien. S'il peut te distraire par le téléphone, il va bien te distraire. S'il peut te distraire dans l'internet, il va bien te distraire. Il suffit qu'il trouve seulement les moyens pour t'avoir. Alors, non, lui, il aime trop ça. Il aime souvent ça. Alors, je vais vraiment le prendre par rapport à cette action. Alléluia. Et si vous prenez ce que vous aimez là, vous restez longtemps dans ça. Le diable, il fait par au-dessus, en train pour vous distraire bien comme il faut. Alléluia. Nous devons faire attention à tout ce qui se passe autour de nous. Nous devons faire très très attention, bien-aimés. En fait, de ne pas rater l'éternel de Dieu. Nous l'avons dit ici. Jérusalem. As-tu su le temps de ta visitation? Peuple de la Trinité, l'éternel Dieu est en train de nous visiter. L'éternel Dieu est en train de traverser vers nous. Ne ratez pas ce moment. Alléluia. Ne ratez pas ce moment. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, j'aime cette chose. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de mon Père spirituel. Il m'avait toujours dit, fils, Jean-Claude Mateta, tu dois faire tout dans ta vie afin que tu ne puisses pas rater le temps de Dieu, que tu ne puisses pas rater le moment de Dieu. Le moment où Dieu a prévu pour toi, pour te faire du bien, pour te toucher. Ne rate pas ce moment. Parce que si tu rates ce moment, fais gaffe. Il y a des choses qui peuvent arriver. Peuple Trinité, écoutez, il y a des choses qui peuvent arriver quand nous ratons le temps de Dieu. Ou tu pars avant le temps. Tu peux partir avant le temps. Alléluia. L'état qui ne sait pas quoi arriver, mais toi tu pars. Et quand tu pars avant, tu es un prématuré. Alléluia. Ceux qui partent avant sont des prématurés. Alléluia. Alors ce qui est prématuré cause beaucoup de tort. Alléluia. Ce qui est prématuré n'est pas mangeable. Alléluia. Ce qui est prématuré, on ne peut pas l'utiliser. Alléluia. Ne pars pas avant le temps, tu seras prématuré. Ne pars pas avant le temps, tu seras prématuré. Et aussi, mon fils, fais aussi attention d'être vraiment attentif à l'écoute de Dieu. Parce que tu peux aussi louper ton temps et partir après le temps. Alors tu seras périmé. Alléluia. Peuple de Dieu, fais attention. Tu te pars avant, tu pourras tuer. Et tu te distrais. Et que tu pars après, tu es périmé. Alors ce qui est périmé, on ne mange pas ça. Allez, nous m'aurons pour la télé. On est psychologue. Jésus. Merci Seigneur. Acclame Dieu, on va t'accomplir. Acclame Dieu, tu as compris. Tu dois tout faire, mon frère, ma soeur. Pour ne pas partir avant, ni après. Tu te pars après, tu seras périmé. Tout ce qui est périmé n'est pas consommable. Tout ce qui est périmé, on ne peut pas l'utiliser. Si tu es périmé, on ne peut pas t'écouter. Et personne ne pourra t'écouter. Partir au temps de Dieu, partir au temps convenable, faire chaque chose à son temps, être prophétique selon le Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci Père, tu es bon, tu es merveilleux. Alléluia. Fais tout le possible que tu ne pars ni avant ni après. Parce que si tu partais, quand Dieu ne veut pas, tu vas souffrir. Tu ne pourras pas, alléluia, comprendre
tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Eh, les pour attirer, souvenez-vous, les enfants pour m'attirer, pas dans ma tombe. Alléluia, excusez, je vais peut-être heurter certaines sensibilités. Mais vous savez bien, en général, les enfants pour m'attirer, comment ils vivent? Il doit faut qu'on les mette encore dans la couverte, machine, les autres sont déjà sortis, mais lui doit rester là-bas, alléluia, afin qu'on puisse nous poursuivre. Écoutez, et puis ça va salaire pour s'arrêter quand on est prématuré. Alléluia. Ah oui! Ne pars pas avant le temps. Ne pars pas avant le temps. Et même après le temps, tu risques d'être périmé. Puis tu es périmé. Même si tu pars, les gens ne t'écouteront jamais. Parce que ton temps est déjà passé. Trinité! Ne perdons pas de vue le Seigneur. Ne perdons pas le temps de notre visitation. Saisissons au moins ce temps. Saisissons l'opportunité. Laissons Dieu agir dans nos vies. Laissons Dieu se manifester dans notre vie. Alléluia. L'éternel Dieu est bon. Fils et filles de la Trinité, prenez garde. Sachez quel temps nous traversons. Alléluia. Écoutez, notre grand thème est lève-toi et prie. Le grand thème est lève-toi et prie. Mais aujourd'hui, l'éternel Dieu nous a amené à pouvoir parler de tu es une étoile. Alléluia. Je te fais un thème au message d'aujourd'hui. Tu es une étoile. Je suis une étoile. Dis-toi, je suis une étoile. Dis-toi, dis-le bien, je suis une étoile. Je suis une étoile. Écoute, dis à celui qui est à gauche et à droite, moi je suis une étoile. Frère, dis-le à celui qui est à gauche et à droite. Dis-lui. Alors, dis-lui maintenant, ne me distrais pas parce que je vais recevoir la parole. Dis-lui à celui qui est à gauche et à droite, ne me distrais pas parce que je vais écouter la parole. Gloire au Seigneur, on est parti. Bien-aimé en Christ, tu n'es pas le soleil ni la lune, mais tu es une étoile. Alléluia. Dans ce message, nous allons comprendre le pourquoi et le comment nous sommes des étoiles et le pourquoi et le comment nous pouvons briller. C'est ça le but que nous allons poursuivre tout au long de ce message. Allons-y. Déjà, c'est levé. Alléluia. On va rappeler certaines choses que papa nous avait dit pour que nous puissions nous remettre encore dans le bain de ce message. C'est levé veut dire quoi? Quitter d'une position couchée à la veille. Alléluia. C'est ça. Quitter de la position couchée. C'est ça, c'est levé. C'est réveiller. Sortir du lit. Ou encore, c'est révolter. Nous comprenons ça. Alléluia. Quitter d'un état à un autre état. C'est ça. Il faut comprendre par s'élever. Et briller veut dire quoi? Briller veut dire émettre une vive lumière. Réfléchir les rayons lumineux. Reluire pendant à parler d'un objet. Reluire. Ou encore d'un local. Briller. Vous savez, si c'est local et nettoyé et qu'il n'y a pas de chaise, on va dire quoi? Ça brille. Alléluia. C'est ça que nous faut comprendre par pouvoir briller. Cirer. Vous voyez, pour vous qui avez les chaussures, une fois qu'on a bien nettoyé les chaussures, on l'a bien ciré. Ça fait quoi? Ça brille. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre par la brillance. C'est faire remarquer par un éclat, par telle ou telle qualité. Tu te fais remarquer. Par ton comportement, par ta façon d'être, par ta manière de faire, par ce que tu fais, tu te fais remarquer, alléluia. Tu sors de la foule, alléluia. Tu te fais remarquer. Ces choses-là peuvent arriver dans une vie, alléluia. C'est la paix arriver dans une vie, alléluia. Et voici, quand on te dit de s'élever, c'est que tu étais en train de dormir, alléluia. Et on dit non. Lève-toi, ce n'est plus le temps de dormir. Alléluia. Je parle à une personne aujourd'hui. Ce n'est plus le temps de dormir. Il est temps que nous puissions nous lever. Alléluia. Il est temps que nous puissions nous lever. Ce n'est plus le temps que nous puissions dormir. C'est que tu es en train de dormir. Ou que tu étais distrait. Tu étais en train de faire autre chose à la place de la chose que tu pouvais faire normalement.
Mais toi, tu fais autre chose. Alléluia. Ou que tu faisais autre chose à la place de ce que Dieu voudrait bien que tu fasses. Et on vient pour pouvoir te réveiller. Et ce que Dieu fait en ce moment, ce que Dieu est en train de faire pendant ce jour, Dieu est en train de réveiller beaucoup de personnes d'entre nous. On devrait te lever, de te révolter. Tu dois te révolter parce que ce que tu vis là n'est pas ta vie. Alléluia. Ce que tu endures là n'est pas ce que tu devais endurer. Dieu te voit autrement. Dieu te voit puissant. Dieu te voit puissant. Dieu te voit grand. Mais tu es là assise, comme un maigrichon, et pourtant tu ne l'es pas. Tu as une position qui n'est pas la tienne. Alléluia, ma sœur. Oh, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Ma sœur, tu as une position qui n'est pas la tienne. Mon frère, tu n'as pas une position qui est à toi. Dieu vient pouvoir te réveiller au travers de ce message. Il dit, lève-toi et prie. Tu dois prier. Tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Alors Dieu te réveille aujourd'hui afin que tu sois là où il veut que tu sois. Tu dois être réellement à la place où Dieu te voit. À la place où Dieu t'attend. Mon frère, on en a besoin. On en a besoin. Dans ce message, l'Éternel est en train de changer la vie d'une personne. Dans ce message, Dieu est en train de transformer la vie d'une personne. Il te fait quitter de la médiocrité à la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu te fait quitter de la médiocrité à sa gloire. Dieu veut que tu changes. Il veut changer ta vie. D'un homme inutile à un homme utile. D'une femme dédaignée à une femme glorieuse. Ça, notre Dieu le fait et il peut le faire. C'est ce qu'il veut le faire. Il faut dire à Gédéon. Gédéon, je te fais quitter de la médiocrité, alléluia, à ma gloire. Gédéon était là, faisant autre chose, battant du froment, alléluia. Il était en train de battre le froment, alléluia. Oh, Dieu voyait en lui un héros qui couchait là-dessus, alléluia. Un héros qui était en lui, un héros était caché en lui. Mais pendant qu'il était distrait, pendant qu'il ne savait rien du tout, il pouvait rester là, comme un maigrichon, en train de souffrir, en train de souffrir. Oh, c'était un vaillant héros qui devait s'élever et combattre et vaincre. Alléluia. Dieu vient te faire révolutionner aujourd'hui. Dieu veut te faire révolutionner. Dieu te, alléluia, Dieu te fait rentrer dans sa voie. Il a dit, Pierre, viens. Tu es pêcheur de poissons. Je te ferai pêcheur d'hommes. Il a changé son état. Dieu est celui qui change l'état. Quand il apparaît, 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 tout change. Tout change. On a dit quoi? C'est le verset, ça veut dire quoi? Quitter les lits et se mettre debout. Et quand tu es à Paris, alléluia, dans la piscine de Bethesda, quand tu es à Paris à Bethesda, quand tu es à Paris à Bethesda, il pouvait dire, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous servons, Christ Jésus. Quand tu es à Paris, au moment de Dieu, au temps convenant, au moment Kairos, sois béni, homme de Dieu, alléluia. Tout change. Quand le Seigneur apparaît, tout change. Mais seulement est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu regardes au but pour lequel Dieu t'a créé ici sur la terre? Est-ce que tu regardes à Dieu seulement? Est-ce que tu regardes à Dieu seulement? Est-ce que tu écoutes Dieu seulement? Mon frère, ma soeur, écoutes-tu Dieu ou tu écoutes les hommes? Tu écoutes le monde ou tu écoutes Dieu? Et aussi, il me dit, tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Tu peux te parler par ton frère, par ta soeur, par le monde, mais seulement comprends, sache lire les circonstances. Comprends et mets-toi dans le chemin de Dieu. Saisis le temps de Dieu et tu vas contempler ton miracle. Alléluia! Oh, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Le message du jour, c'est tu es une étoile, je suis une étoile. Amen. Hein? Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 15. Le verset 5 seulement. La suite de ce message, c'est Ésaïe 60. Alléluia. Nous sommes toujours là. Nous sommes dans Genèse, chapitre 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, alléluia. Et il lui dit encore, telle
sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel, en lui imputa à justice. Alléluia. On peut acclamer la parole de Dieu, nous acclamons la parole. On a lu Genèse chapitre 15, le verset 5 et le verset 6. Bien-aimés, nous sommes dans ce message. Vous nous avez dit, tu es une étoile. Je dis, tu n'es pas le soleil ni la lune, mais tu es une étoile. Alléluia. Mais nous devons savoir, derrière toute lumière, il y a une source. Alléluia. Derrière toute lumière, bien aimé le Seigneur, il y a une source. Il y a une énergie qui fait de la sorte que cela puisse produire de la lumière. Alléluia. Tel que nous sommes là, pour que ces lampes puissent pouvoir s'allumer. Alléluia. Écoutez, regardez vers le plafond. Toutes ces lumières qui sont là, toutes ces lampes qui sont là, pour que ça puisse éclairer, pour que ça puisse donner cette brillance là, il y a derrière une source d'énergie qui fait que la lampe puisse pouvoir produire de la lumière. Alléluia. Même chez nous, on avait des fois des lampes tempêtes. Hein? Vous vous souvenez encore? Des lampes tempêtes. Moi, il y a qui tempouka, il y a qui tempouka. Alléluia. Des lampes tempêtes. Qu'on pouvait allumer avec l'allumette. Hein? On prend l'allumette et ça. Quand il n'y avait pas le courant, on avait des lampes de tempête qui étaient alimentées par du pétrole. Voilà. Par du pétrole. Même ici, il y en a aussi. Et des lampes à pétrole, des chauffards à pétrole. Voilà. Pour que ça puisse produire cette lumière-là, il faut qu'on puisse lui mettre du pétrole. Quand je disais, derrière chaque source, derrière pardon, toute source de toute lumière, il y a une source d'énergie qui fait de sorte que la lumière puisse pouvoir briller. Sans cela, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas briller. Ah oui, sans cela, ça ne marchera pas, ça ne pourra pas briller. Donc aujourd'hui, tu peux être une lampe, tu peux être un ampoule. Mais s'il n'y a rien derrière toi, ce n'est pas une source de la lumière, tu ne pourras pas produire. Et derrière tout objet éclairant doit être connecté une source. Alléluia. Et nous, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Christ est le soleil. Écoutez, laisse-moi t'expliquer. Je dis que tu es une étoile, tu dois briller. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le soleil levant. Christ est le soleil. Et je ne vais pas rentrer dans la science parce que je ne suis pas un scientifique, mais je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Mais les scientifiques ont témoigné. Alléluia. La brillance, la lune brille la nuit et le soleil brille la journée. Et les scientifiques l'ont prouvé que la lumière qui reçoit la lune provient du soleil. C'est quand le soleil règne, alors que la lune est en train d'aspirer, est en train de recevoir la semence. En fait, quand ça sera la nuit pour que la lune puisse pouvoir briller. Et la nuit, qu'est-ce qui brille? La nuit, il y a la lune qui éclaire et les étoiles. Alléluia! Oh, Christ est le soleil, le pouls. La lune et le pouce, l'église. Alléluia. Et l'église a enfanté les étoiles que nous sommes. Alléluia. Oh, acclame Dieu, papa. Acclame Dieu. J'aime ton sourire, comment tu le fais. Alléluia. Ah oui, Christ est le pouce, le soleil. Il donne la semence à l'épouse qui est l'église. Et nous, nous sommes à l'église, nous sommes les étoiles. Et nous recevons notre semence de l'époux qui est Christ Jésus. Et nous prions. Alléluia. Écoutez, pourquoi nous devons prier aujourd'hui? Aujourd'hui, parce que Christ, lui, le pouls, a été crucifié. Jésus-Christ était mort. Jésus-Christ a été éteint. Lui, la lumière était éteinte. La preuve en était, quand Christ est mort sur la croix de Golgotha, le monde à Dieu était dans le ténèbre. Comme pour dire qu'il n'y a plus de lumière. Celui qui est éclairé est mort. Celui qui est éclairé est parti. Alléluia. Et lui, il régnait pendant qu'il faisait jour. Alors, comme c'était l'obscurité qui était rentrée, c'est la nuit qui était dans le monde. Maintenant, il fallait que la lune puisse s'élever pour pouvoir briller. Acclame Dieu. Tu as compris. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Parce qu'il faisait nuit sur la terre. Donc, depuis que Christ est mort, le monde est dans le ténèbre jusqu'aujourd'hui.
Comme signe, il y a eu 3 heures de ténèbres dans le monde potentiel, le monde des ténèbres. Et pendant ce temps, c'est la lune et les étoiles qui doivent régner. Et toi, tu es une étoile, tu dois régner, tu dois briller, parce que tu as reçu la semence de la part du Seigneur, de la part du Dieu puissant, glorieux. Oui, c'est lui qui te fait briller. C'est lui qui est notre source de lumière. C'est lui qui est notre source de lumière. Nous comptons sur lui. Notre dépendance. Si je dois briller, c'est parce que j'ai la sémence de Christ, j'ai la sémence de Jésus. Alléluia. Et l'heure est arrivée afin que je me lève et que je puisse prier. L'heure est arrivée pour que ma sœur, tu te lèves, que tu puisses prier. Parce que celui qui vit en toi, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, la révélation des étoiles que nous sommes. Tu es fille et fils d'Abraham. Alléluia. Les étoiles que Abraham ne pouvait compter. Alléluia. Tu en faisais partie. Tu en faisais partie. Tu en faisais partie. L'heure est arrivée. Le temps de Dieu est là afin que tu puisses t'élever et que tu puisses prier et que tu puisses prier et que tu puisses prier et que tu puisses marcher. Dans le psaume 36, verset 10. Et Dieu est bon. Le psaume 36, verset 10. Il est écrit. Car auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oh, Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Voilà notre source de lumière. Voilà pourquoi nous devons prier. Parce que lui, il prie. Parce que lui, il prie. Alléluia. Nous prions et nous allons prier. Parce que le Seigneur, qui est la source, il est de nôtre. Alléluia. C'est lui qui a fait que nous puissions prier. C'est lui qui fait que nous puissions prier. Alléluia. Tu ne priais pas parce que tu le savais pas. Maintenant, le Seigneur revient. Il te rappelle cette chose. Il te dit que non, tu es une étoile. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Alléluia. Non seulement il est notre créateur, notre source, mais il est aussi celui qui nous donne l'existence. Alléluia. Non seulement il nous donne l'existence, mais il est celui qui nous donne la vie. Celui qui nous fait vivre. Alléluia. Si nous vivons aujourd'hui, c'est lui. Nous voici, nous sommes à la fin de l'année. Alléluia. Nous sommes à la fin de l'année. Depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur ne t'a pas laissé. Malgré les difficultés, les maladies, les problèmes, les calamités, les manques de séjour ou je ne sais quoi, l'Éternel ne t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il faut dire son serviteur. Son serviteur a prié. Son serviteur l'a invoqué. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Regarde comment je suis. Et puis, l'apôtre Paul fait des miracles. Il guérissait les malades. Il résistait les morts. Mais lui-même avait un problème. Alléluia. Il avait une charme sur la tête. Il a beaucoup prié, il a imploré le Seigneur, il était là, lui-même guérissant les malades, ressuscitant même les morts, mais lui-même avec les chats de la terre. Il a prié, il a imploré Dieu, et le Seigneur pour lui, écoutez, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, ma sœur, la grâce de Dieu te suffit, mon frère, la grâce de Dieu te suffit, oh, ma clame Dieu, et que c'est ta corde de plus pour ton cœur, alléluia, Dieu est bon, Dieu est bon. Ah, il est bon. Nous devons prier parce que le Seigneur prie. Nous devons prier parce qu'il a ordonné. Bien, c'est impératif. Il dit, lève-toi et prie. Et celui qui parle ici, ce n'est pas le pasteur Mathias qui parle. Alléluia. C'est l'Éternel, le Dieu des armées. Il dit, lève-toi et prie. Et c'est un ordre. C'est un ordre que Dieu te donne. Tu te mets à distraire. Mais il vient aujourd'hui te dire, écoute, non, tu dois t'élever. Tu dois prier parce que moi qui suis en toi, j'ai prié. Prie. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi toi qui dors. Christ t'éclairera. Alléluia. Réveille-toi toi qui dors, ma soeur. Réveille-toi mon frère. Sors de la distraction. Quitte la médiocrité. Contemple la gloire de Dieu parce que le temps est arrivé pour que tu puisses contempler la gloire du Seigneur. Là où est le Seigneur, il y a sa gloire. Là où il y a la gloire de Dieu, le Seigneur est là. Alléluia. Et il se manifeste, il se glorifie. Alléluia. Là où il y a la gloire,
il y a la révélation. Là où il y a la révélation, il y a la gloire. Et l'éternel Dieu y est. Seulement, il faut être attentif, être sensible, ne pas être distrait pour que tu reçoives ta part. Je l'ai dit, je l'ai dit encore. Ce n'est pas que l'église n'est pas puissante. L'église est puissante. L'église de la Trinité est puissante. Il y a des hommes puissants dans cette église. Seulement, comment tu comprends la parole? Comment tu reçois la parole? La Bible dit, alléluia, l'accomplissement des miracles est dans l'obéissance de la parole. Est-ce que tu obéis à la parole qui est prêchée ici? L'homme de Dieu se poumonne, les hommes se poumonnent pour prêcher ici au lieu de la chair. Est-ce que tu reçois seulement la parole? Est-ce que tu reçois la parole seulement comme il faut? Alléluia. Oh, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Lisons Apocalypse 21, le verset 23. Oh, que le Seigneur est bon. Merci Seigneur. Tout dépend comment tu reçois la parole. Alléluia. Tout dépend comment tu reçois la parole. Je disais ici, nous devons prier parce que c'est le Seigneur Dieu qui le fait. Là où est le Seigneur, il y a sa gloire. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a le Seigneur. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la révélation. Là où il y a la révélation, il y a la gloire de Dieu. Et dans Apocalypse 21, le verset 23, il est écrit, alléluia, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Alléluia. Mais, car la gloire de Dieu l'éclaire déjà. Et l'agneau est son flambeau. Alléluia. L'agneau est notre flambeau. Alléluia. L'agneau est notre flambeau. L'agneau, c'est Christ Jésus. Son flambeau, sa lumière, sa flamme fait que nous puissions éclairer. La flamme du flambeau du Seigneur fait que nous puissions éclairer. Tu dois éclairer, ma sœur. Tu dois éclairer, mon frère. Apocalypse 22, le verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Oh, l'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Il n'y aura plus de nuit. Alléluia. Et il n'y aura besoin ni de la lampe, ni de la lumière. Parce que le Seigneur Dieu l'éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de la lampe, ni de la lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Alléluia. Et ils régneront au siècle des siècles. Qui sait? C'est toi et moi. C'est nous qui devons être éclairés. C'est nous qui devons régner par ce temps. L'Éternel Dieu est bon. L'Éternel est merveilleux. Tu disais, non seulement il nous a créés, mais il prend soin de nous. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui est notre source. Nous l'appelons le Dieu puissant. Alléluia. Il existe avant que l'existence même ne soit. C'est lui-même qui est l'existence. Et celui-là est ton Dieu. Et c'est lui qui te dit de te lever et que tu puisses marcher. Alléluia. Il est Dieu aux possibilités illimitées. Il est Dieu aux possibilités limitées. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Possible à Dieu, rien n'est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tes problèmes, Dieu les voit. C'est moi. Il y a un temps qu'il a prévu pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps qu'il a prévu pour toutes choses. Alléluia. Reste fidèle. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Alléluia. Reste fidèle à Dieu, mon frère, ma soeur. Faites attention. Faites attention. Excusez-moi. Chez nous, il y a un adage qui dit ceci. Alléluia. Nous pouvons interpréter. Chez nous, cet adage dit ceci. Les mvungu, comment on appelle ça en français? Alléluia. C'est une... Les calebasses. Alléluia. Sois béni. L'imbungu, c'est le calebasse. Une personne peut aller puiser de loin. Alléluia de nous. Avec sa calebasse hein, sur la tête. Il peut venir comme ça. Il peut marcher. Il peut marcher. Il va juste se fatiguer là où il faut rentrer à la maison. Tu es sur le point d'arriver. Faites attention, ma sœur. Tu es sur le point d'arriver. Écoutez. Ah, tu es bon. Elle était au puits. Elle était au puits. Il a fallu donner. Il a fallu donner au chameau. Il fallait donner au chameau. Et tous les chameaux devaient boire. Enfin que sa bénédiction arrive. Et il est venu. Il a donné au premier chameau. Il a dit.
Elle est retournée encore. Elle a puisé encore de l'eau. Troisième chameau, quatrième, cinquième, sixième. Il fallait que tous ces chameaux-là pourrissent boire. Hé, hey, mon frère, ma sœur, ton problème, c'est au quatrième chameau. C'est le quatrième chameau qui est en train de faire boire. Tu es en train de faire boire. Est-ce que tu es encore arrivé à la fin? Non. Icampico, tu es ferme. Tu es ferme, ma sœur. Tu es ferme, mon frère. Tu es ferme. Continue. Crains Dieu. Obéis à la parole. Observe la parole. Crains le Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ce que tu traverses n'est rien. Ce n'est qu'une situation passagère. Cela va passer. Dieu est en train d'affermir. Il est en train d'affermir. Il est en train d'affermir. En fait, porte-le la couronne qu'il faut. La gloire qu'il faut. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Tous nos problèmes sont pour nous de dire alléluia. C'est un Dieu merveilleux. Quand il apparaît, tout change. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Alléluia. C'est lui qui dit alléluia. Oui, il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Ce qu'il dit s'accomplit. Alléluia. Il dira, lève-toi et marche. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, il apparaît par ses messages. Dieu te dit, lève-toi et brille. Pourquoi? Parce que tu as la sémence de Dieu. Parce que la sémence de Dieu est en toi. Alléluia. Tu dois te lever et tu dois prier. Et c'est Dieu là, il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Il était, il est et il vient. Il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Dieu est là. Il est parmi nous. Dieu connaît ta situation. Dieu voit ta situation. Dieu voit ta famille pour laquelle tu plais. Dieu voit son église, la Trinité. Dieu voit la Trinité. Et il agit. Il nous conduit. Il nous oriente. Il nous guide. Il nous inspire. C'est moi. Soyons attentifs. Soyons attentifs. Et saisissons le temps de Dieu. Saisissons le temps de Dieu. Alléluia. Il a dit à partir mes fils et tu mets. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Viens-toi. Allez, vois. Alléluia. Vois. Et à ce moment, Dieu te demande, Dieu te pose la question, que veux-tu qu'il te fasse? Dieu te pose la question, que veux-tu qu'il te fasse? Dieu te pose la question, que veux-tu qu'il te fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse pour toi? Il te pose la question. La question nous est posée. La question m'est posée. Alléluia. La question nous est posée. Alléluia. Merci, on me fait signe qu'il est l'air. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans la Trinité. Le temps est arrivé pour que nous puissions prier. Le temps est arrivé pour que tu pries. Le temps est arrivé pour que je prie. Alléluia. Eh, hey, mais il y en a parmi vous qui vont prier ici. Mais écoute, ne sois pas jaloux de ton frère. Ne sois pas jalouse de ta sœur. Il y en a qui vont prier ici. Saisis l'opportunité afin que toi aussi tu puisses prier. Le temps est là pour que tu ne sois pas, alléluia, mon mouna, pour que tu ne puisses pas amener la jalousie. Le temps est là. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de réveiller. Dieu change la vie des gens. Ceux qui parlent n'importe comment, ceux qui disent n'importe quoi, Dieu est en train de le changer à une autre personne. Ceux qui sont là pour détruire, l'église, pour combattre la famille, Dieu est là en train de nous changer. Dieu est en train de nous transformer en fait que nous puissions prier. Nous devons prier. Nous ne prions pas autrefois parce que nous ne savons pas qui nous étions. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, nous sommes des étoiles. Nous avons la semence de Dieu. Et cette semence doit crier en nous. C'est cette semence qui doit crier. C'est cette semence qui doit briller, mes frères. Tu dois briller. Tu dois briller, mon frère. Tu dois briller, ma soeur. Chante pour les places. Tu dois prier mon frère, tu dois prier ma soeur, tu dois prier mon frère, c'est Dieu qui le dit. Dieu nous l'ordre, il dit lève-toi, marche, lève-toi, vois, lève-toi, glorifie le Seigneur, afin que la gloire puisse te revenir. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous continuons à prier, nous sommes dans la prière, lèvons-nous là où nous sommes, lèvons-nous là où nous sommes, nous sommes en prière.